Merci pour cet accueil. On est ravis de vous accueillir, Louis Bertignac. Je crois que c'est quasiment une première fois qu'on fait une avant-première de ce grand salon littéraire avec un musicien plutôt qu'avec un écrivain. Et je suis très heureuse parce que grâce à votre livre, Jolie Petite Histoire, c'est tout un univers et c'est aussi une histoire générationnelle. C'est l'histoire, bien sûr, de Téléphone, puisque Louis Bertignac, c'est Téléphone, mais pas seulement. C'est les visiteurs, c'est vous-même aussi, avec votre carrière solo. C'est les Insus, il y a quelques années maintenant. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi toute l'histoire de la musique rock, que vous avez accompagnée en France, mais aussi celle de l'extérieur, de l'étranger, qui vous a beaucoup inspiré. Et puis, c'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme qui est né à Oran et qui, à l'âge de 3 ans, a quitté cette ville avec ses parents parce que la situation politique du pays commençait à être inquiétante. Vous remontez le fil de votre vie intime. Alors, bien sûr, il est question des femmes, de la drogue, du foot, une de vos passions, et beaucoup de la musique, parce que la musique, j'ai envie de dire, et dans vos veines, dans votre corps, dans vos jambes, dans vos mains, puisque c'est la guitare en l'occurrence, depuis très longtemps. Alors avant de parler de musique, je voudrais quand même qu'on parle d'Oran, parce que le livre commence avec votre père et votre mère. C'est d'ailleurs, j'ai l'impression, vous allez me le dire, que ce livre est peut-être aussi fait pour eux, à cause d'eux, une histoire peut-être de rattraper des choses, de peut-être réconcilier, et notamment la première réconciliation, c'est peut-être l'absence, la vôtre en 2007, quand votre père meurt, vous n'êtes pas là, et vous dites que vous en voulez depuis, et vous vous en êtes toujours voulu. Est-ce que ce livre, d'une certaine manière, est de revenir sur les origines, les vôtres, et la musique, puisque c'est aussi votre père qui vous a permis d'entendre plein de musique de par son métier. Est-ce que d'une certaine manière, ce livre était un peu pour eux? En gros, c'est donc l'histoire de ma vie. Donc, évidemment, mes parents en font partie. Ils font partie de facilement mes 15 premières années. Et surtout les premières années, évidemment, j'étais leur dieu et c'était mes dieux. Donc, c'est normal que je leur rende un hommage dans ce livre, parce que quand on est gosse comme ça, on n'y pense pas, mais quand on est déjà plus âgé et qu'on n'a plus ses parents, on se dit qu'on aurait dû être là plus souvent. Mais je connais ça. Hein. Moi, j'ai des filles qui ont déjà 18 ans et 14 ans, et elles viennent plus souvent me voir. C'est vrai que je suis à la campagne, elles sont à Paris. J'aimerais les voir plus souvent, mais d'un autre côté, je les comprends, parce que j'étais comme elles quand j'avais 15, 16 ans, 18 ans. On a autre chose à faire que voir ses parents, surtout quand on a des vies palpitantes comme j'avais. Et avec le recul, quand j'ai leur âge, à l'époque où ils sont partis pratiquement, évidemment, je regrettais de pas avoir été plus présent dans leur vie. Et donc, j'ai voulu leur rendre hommage. Je ne sais pas s'ils vont me voir. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas s'ils sont en haut, ailleurs, je ne sais pas. S'ils sont quelque part, j'en sais rien. Je suis assez scientifique, donc je me prononce pas. Je ne sais pas juste où ils sont. Ils sont peut-être nulle part. Ils sont probablement nulle part. Mais je l'ai fait pour moi. Pour eux, je ne sais pas. Je l'ai fait pour moi et pour les gens qui se retrouvent un peu dans ma situation. Voilà. Vous l'avez fait aussi pour le public, parce que les deux premières pages s'adressent aussi au public et à ceux qui ont suivi Téléphone et l'aventure après de Bertignac. Vous l'avez fait aussi pour peut-être les jeunes qui vous lisent, parce que quand vous écrivez, vous vous adressez beaucoup à votre lecteur. D'ailleurs, il y a des choses très très drôles et on en reparlera. Vous dites aussi, vous parlez peut-être aussi aux jeunes. Peut-être que ce livre est aussi adressé à des jeunes qui vont peut-être ou qui ont envie de devenir musiciens. À partir du moment où, évidemment, je raconte ma vie à cet âge-là, forcément, je m'adresse à eux. Parce qu'il y en a certainement qui se retrouvent dans cette situation
où ils aimeraient bien faire quelque chose, mais qu'on leur déconseille, parce que c'est pas une vie très rangée, c'est pas une vie évidente de choisir un métier comme musicien ou artiste quelconque, ou même scientifique, des trucs un peu bizarres, quoi, qui peuvent être une passion, mais qui ne garantissent pas grand-chose à la sortie. Donc, c'est normal de s'adresser un petit peu à eux, parce que j'étais dans leur cas. Et bon, j'ai tendance à leur dire, allez-y, foncez, croyez en vos rêves. Mais aussi, je suis conscient qu'on n'a pas tous la chance de réaliser ses rêves. Moi, ça s'est très bien passé. Mais bon, j'étais pas loin de, comme mes parents le craignaient, de me retrouver clochard à faire la manche dans le métro. Tout ça, c'est une question après de circonstances. Bon, il faut du talent. Je sais plus ce que c'est trop le talent. Je pense que c'est beaucoup le travail. Et le travail, c'est l'amour. Parce que pour jouer 18 heures de guitare par jour, il faut vraiment, vraiment aimer ça. Sinon, ça devient rébarbatif. Donc, j'aimais vraiment ça. Et bon, c'est normal de s'adresser à ceux qui ont une passion, comme je l'avais à l'époque, et de leur dire, de leur expliquer, oui, peut-être tu auras de la chance, peut-être pas, mais laisse-toi quelques années, comme je me le suis laissé, pour tenter l'affaire. Alors, vous n'auriez pas dû être musicien, normalement. Et vos parents, comme je pense beaucoup d'immigrés, nourrissaient beaucoup plus pour vous et auraient aimé que vous soyez un grand médecin ou autre chose, d'autant que vous étiez très bon élève. Vous rafliez tous les prix. Et ouais, ce, entre début. Autres, grâce à votre grand-mère, ouais, institutrice, qui vous a appris à lire et écrire bien avant tout le monde. Oui, c'est sûr que quand je suis rentré au cours préparatoire, qui existait déjà à mon époque, je savais écrire et lire couramment. Et ça, c'était grâce à ma grand-mère qui passait son temps à m'apprendre. Je ne dis pas qu'elle m'emmerdait, mais elle faisait ça avec tellement d'amour et tellement de passion que forcément, ça m'intéressait. Elle a réussi à m'intéresser. Et c'est vrai que à la différence de mon fils, qui entre au CP cette année, moi, je savais lire et écrire. Vous m'avez répondu, oui, au début. Donc, bon élève au début. Et puis, ça va commencer à se dégrader quand d'autres passions vont prendre le relais, ouais, et notamment la guitare. Première guitare à l'âge de 12 ans. Ouais. Une belle guitare rouge, mais qui n'est pas bonne à jouer. Non, c'est ça. Non, mais j'en rêvais, en fait. En fait, à l'âge de 12 ans, mes parents, ils ont craqué sur... le fait d'apprendre la musique à leurs enfants. Donc, c'était assez moderne à l'époque. Beaucoup de familles faisaient apprendre la musique à leurs enfants. C'est-à-dire, on les mettait à l'école normale, à côté du lycée, à côté de l'école. Et voilà, mes parents m'ont demandé quel instrument tu veux faire. Moi, j'ai dit guitare. Ma sœur a dit piano. Donc, on a été faire quelques... On prenait un cours par semaine. Et ça m'a vite lassé, j'ai quand même craqué sur une guitare électrique que je voyais tous les jours dans un magasin, et ils ont fini par me l'acheter, mes parents. Et c'est vrai qu'elle était injouable, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Donc d'un côté, j'avais une guitare sèche sur laquelle on m'apprenait à l'école des trucs extrêmement rébarbatifs, et d'un autre côté, j'avais une guitare électrique qui était injouable. Donc ça a duré un an, et j'ai mis les deux guitares dans une armoire et je ne voulais plus en entendre parler. Mais vers l'âge de 14-15 ans, c'est là où je suis tombé amoureux de deux, trois albums, un album des Beatles, le double blanc, un album des Stones, Let It Bleed, ou peut-être un album des Who aussi. Et je suis complètement tombé amoureux de ces disques, je les écoutais plusieurs fois par jour, chacun. Et c'est là que j'ai ressorti une guitare du placard, l'acoustique qui était jouable. Et je me suis mis à apprendre vraiment, vraiment à jouer ces chansons en cherchant avec les oreilles, parce qu'on n'avait pas Internet, il n'y avait pas de partition des albums de rock. Donc je cherchais beaucoup et j'ai beaucoup joué avec ces albums-là.
Et je me suis mis à rêver que je faisais la même chose que les Beatles ou les Rolling Stones. Et je me suis mis vraiment à adorer ça et être... Et c'est là que j'ai été happé par cette passion de la musique. C'était pas volontaire, c'était pas un choix. C'était plus fort que moi. Je passais beaucoup, beaucoup d'heures par jour à écouter et à jouer. On va revenir sur ces groupes ou ces musiciens qui ont accompagné votre vie et votre carrière. Il y a Higelin aussi qui a été important, on y reviendra. Mais restons tout de même encore un peu dans l'enfance, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que votre père travaillait dans la société de votre oncle, ouais. Et il réparait les jukebox, ouais. Et qu'il ramenait à la maison plein de disques. Et vous avez écouté tout et n'importe quoi. Et le premier bonheur musical que vous connaissez, c'est Ray Charles. Oui, parce que mon père adorait Ray Charles, et donc il avait 3-4 albums, et comme on avait un tourne-disque, et c'est, en gros, il avait acheté 3 albums de Ray Charles et un de Sidney Bechet. On avait 4 albums à la maison. Et donc, moi, Sidney Bechet, ça me gavait un peu, mais Ray Charles, j'écoutais énormément. Ça, c'était avant, c'était entre 4 et 12 ans, 4 et 13 ans. Et ensuite, c'est là que les Stones et les Beatles sont arrivés. À quel moment, justement ? À quel moment les Stones arrivent dans vos oreilles ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Quelle révolution se fait ? Ça arrive vers l'âge de 14 ans, 14-15 ans. Et c'est, ça passait pas à la radio, ces trucs-là. Donc, c'est des gens, je tombe chez le grand frère d'un mec de ma classe, qui me fait écouter le dernier single des Rolling Stones, que je trouvais assez méchant, assez difficile à entendre. Et doucement, je m'y suis habitué, j'ai commencé à adorer ça. Et les Beatles aussi, j'entendais de temps en temps un ou deux morceaux qu'une cousine me faisait écouter, parce qu'elle était un peu plus âgée que moi, elle adorait ça. Et je commence à aimer ça. Et par hasard, donc, j'achète cet album des Beatles, le double blanc, et un album des Stones au même moment. Je me les fais offrir. Et c'est là que je commence à écouter 10 fois par jour des chansons, et je commence à comprendre comment c'est foutu. Et j'arrive à discerner les instruments, la batterie, la guitare, la basse. Et c'est là que je m'intéresse vraiment au truc, et que la nuit, je mets le casque chez mes parents. Et j'écoute, et j'écoute, et j'écoute, et je discerne les instruments, et je vois le rapport entre les instruments, et je me dis, je commence à rêver de faire un groupe comme eux. Et on va arriver au groupe. Tiens, alors, désolé, je vais déflorer quelques petites choses du livre, mais tout de même, vous êtes allongé, vous écoutez la musique allongée avec votre casque, et c'est pour cette raison, écrivez-vous, que quand vous jouez de la musique, vous balancez la tête de gauche à droite. Pour ceux qui vous ont vu sur scène, c'est le cas, effectivement. Et c'est à cause de ça que vous balancez tête. J'ai commencé à réfléchir pourquoi je fais ça. Parce que je trouve ça moche, évidemment. Sur le moment, je ne m'en rends pas compte. Mais à l'époque de téléphone, quand c'est filmé, je me revois à la télé, je me rends bien compte que j'ai une attitude un peu bizarre, quoi. C'est qu'au lieu de me concentrer et d'avoir une belle attitude comme les guitaristes dont j'étais fan, moi, je fais l'âne. C'est-à-dire, je fais comme ça, quoi. Dès que je pars en solo, je fais comme ça, et je trouve ça vraiment moche. Et j'ai commencé à me dire, mais pourquoi je fais ça ? Et je crois bien que ça venait du fait que quand j'étais dans le lit, que je rentrais dans ces albums, que je me croyais sur scène avec eux, parce que je me mettais souvent des albums live avant de m'endormir. Et j'étais dans le lit, allongé. Et quand on est allongé, on ne peut pas taper du pied, hein, comme quand on est debout. Et je crois que tout ce que j'arrivais à faire, c'était comme ça dans le lit, quoi, pour rentrer dedans. Et j'ai gardé cette habitude, et je pense qu'après, quand je me suis retrouvé debout, je continuais à faire ça, à bouger la tête comme un âne. Et ça, au début, j'essayais vraiment d'arrêter, mais j'y arrivais pas, c'était plus fort que moi. Et jusqu'au jour où un fan vient me voir à la fin d'un concert et me dit, j'aime beaucoup, j'adore comment tu joues, et je sais qu'à chaque fois que tu commences à faire non avec la tête, je vais commencer à m'éclater. Donc j'ai arrêté de flipper.
Elles sont belles. D'ailleurs, vous parlez de ce jeune homme, vous avez un rapport avec le public qui est fort. Vous avez une écoute de votre public. Il y a quelque chose qu'on sent vraiment de l'ordre de la fidélité, de l'accompagnement, du respect mutuel, d'ailleurs, je crois. C'est presque une seconde famille, le public de Louis Bertignac, de Téléphone, puis de Louis Bertignac. Qu'est-ce que ça... Est-ce que ça vous a porté ? Est-ce que justement le public a porté ? Parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans votre vie, beaucoup de bas, beaucoup de hauts, il y a eu des remises en question. Est-ce que à chaque fois c'est le public qui permettait, ou cette idée du public qui vous permettait de tenir ? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que je, comme j'ai dû le dire dans le livre, je suis quelqu'un qui n'est pas très sûr. Je ne suis pas très sûr de moi. Et c'est vrai que le succès n'y change rien du tout. Je peux vendre des milliers de disques, des millions de disques, ça ne change rien. À chaque fois que je vais monter sur scène, je suis angoissé et je pense que ça va être un désastre. Et j'ai beau remarquer après les concerts que ça, tout va toujours bien, tout se passe toujours bien, avant le prochain concert et jusqu'au moment où je monte sur la scène, et ça peut partir de 5-6 jours avant, je suis persuadé que ça va être désastreux. C'est comme ça. Et donc, j'ai cette nature timide et vraiment pas sûr de soi. Et ben, le public, quand même, quand je vois leur regard, quand je vois leurs yeux allumés, quand je vois leur sourire au moment où je suis sur la scène, et même en dehors de la scène, même si ça me met un peu mal à l'aise en dehors de la scène, parce que j'ai toujours ce truc en moi qui me dit, mais pourquoi il veut une photo ? Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire ? Parce que sur le moment, c'est vrai que je ne comprends pas. Même si avec le recul, en réfléchissant bien, je me dis, ouais, j'ai fait pas mal d'albums, ça a dû leur plaire, etc. Sur le moment, je retrouve cette timidité et ce manque de confiance. Et pendant quelques secondes, je suis surpris et je ne comprends pas. Donc c'est bizarre. Mais quand je vois dans leurs yeux ce genre de bonheur de me rencontrer, ben ça me fait du bien, évidemment, et ça m'enlève ce manque de confiance. Aussi, quand je les vois dans le public, quand je suis sur la scène, tout de suite, ça m'enlève mes angoisses. Donc, forcément, je leur dois beaucoup et j'ai un respect, pas forcément parce qu'ils m'ont fait bouffer, pourtant c'est le cas quand même. C'est eux qui ont payé cette veste, c'est eux qui ont tout payé. Mais ce n'est même pas pour ça. C'est juste surtout parce qu'ils ont un regard bienveillant envers moi qui me fait me sentir bien. Alors, puisque vous parlez de timidité, allons-y. Timide avec les filles aussi, Louis Bertignac. Et là, je vous lis. Les filles, j'étais introvertie, complexée et maladivement timide. Regarder une fille dans les yeux me coûtait un terrible effort, surtout si j'étais amoureux. Alors, comme je n'osais pas les regarder, je regardais ma guitare. Et comme je n'osais pas leur parler d'amour... Je jouais. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que ça a toujours été un problème pour moi, les filles, surtout quand je les trouvais très belles. Quand je voyais une fille qui me souriait, ça allait, ça pouvait aller. Mais si elle était très belle, j'avais ce réflexe de faire comme si elle ne m'intéressait pas du tout. Ce qui est vraiment con. Et c'est là que j'ai raté vraiment beaucoup d'occasions de tomber amoureux quand j'étais jeune. Et c'est très dommage, je regrette avec le recul, bien que bon, j'ai pas été malheureux quand même. Oui. Mais ça me faisait ça à chaque fois. Et c'est vrai que quand il était question de filles, quand elles étaient proches dans une soirée, quand j'avais une occasion de conclure quelque chose... D'autant plus, je me mettais, on me demandait de jouer, donc je jouais. Et je regardais mon manche, et dès qu'il y avait une fille, je regardais comme ça vaguement, et tout de suite, je me remettais sur mon manche parce que j'étais gêné de la regarder, il y avait un truc bizarre qui se passait. Et en espérant qu'il se passerait un truc, mais surtout sans rien faire pour qu'il se passe un truc. Oui, et si dans une salle, il y avait une blonde et une brune, et que c'est la blonde qui vous plaisait, c'est la brune que vous regardiez. C'est un peu ça aussi. Comment ? J'ai dit, si dans une salle, il y avait une brune et une blonde, et que la blonde vous plaisait, c'est la brune que vous regardiez aussi. Toujours, voilà. Oui, toujours. Voilà, comment faire les choses ? Oui, que dans, c'est
Bon, j'ai quand même eu de la chance, c'est que de temps en temps, il n'y en avait qu'une et c'était la bonne. Alors, parlons un peu des femmes et parlons d'une que nous connaissons tous et qui a accompagné pas mal d'années de votre vie, c'est Corinne, au début du groupe Téléphone. Et c'est vous qui imposez Corinne dans le groupe Téléphone. Les autres n'en veulent pas de Corinne parce qu'en fait, on est un groupe de garçons, pas de filles. Et puis, vous êtes ensemble, c'est un peu gênant. C'est vrai qu'on voulait faire un groupe de rock et les groupes de rock qu'on aimait, c'était que des mecs. Mais bon, il se trouve que Corinne était ma fiancée depuis un an ou deux. Les autres la connaissaient très bien parce qu'on était une bande de potes qui tournait ensemble. On allait dans des endroits différents où on pouvait jouer. Les maisons où on pouvait jouer étaient rares. Et Corinne avait une maison qu'elle avait en coloc avec quelques copains à elle. Et c'est vrai que c'était un endroit où on pouvait jouer. Et j'étais maqué avec elle depuis un moment. Et j'avais déjà, depuis un bon moment, je l'avais expérimenté à la basse. C'est-à-dire que je venais de quitter Jacques Higelin, je me retrouvais, j'avais envie de faire ce groupe. Et c'était ma femme de l'époque, on n'était pas mariés, mais on vivait ensemble. Et elle avait un bon rythme, donc... J'ai dit, mets-toi à la basse, au moins on sera deux, on pourra faire des trucs ensemble. Donc elle s'est rapidement mise à la basse. Et effectivement, j'ai fait quelques concerts avec elle. Très rapidement, elle a très vite appris. Et on me demandait des trucs comme ça, d'aller jouer dans une fête ou un truc d'école ou de grandes écoles. Des mecs qui m'avaient repéré quand je jouais avec Higelin. Et donc je la prenais à chaque fois à la basse et c'était une valeur sûre. J'étais jamais déçu de la manière dont elle jouait. Et quand il s'agit de faire ce groupe avec Jean-Louis, on en parlait depuis longtemps, mais à un moment, je lui ai dit, c'est le moment, on y va, on fonce. Il m'a dit, OK. Et il m'a, voilà. Et je lui ai dit, bon, à la basse, Corinne, ce serait super. Il dit, ouais, je la connais, elle joue bien, c'est vrai, mais c'est une fille. Et lui, il me dit, alors on prend à la batterie Richard. Je lui ai dit, je connais bien Richard. C'est pas que c'est un mec, c'est qu'il est trop jazz pour moi. Et il me dit, t'inquiète pas, il jouera comme tu veux. Et moi, j'ai dit, t'inquiète pas, Corinne jouera comme tu veux aussi. Et ça s'est passé comme ça. On a fait le premier concert comme ça, tous les quatre. Et ça s'est très bien passé. Donc, on a continué pendant 10 ans. Voilà. Avant Téléphone, il y a eu d'autres choses, ouais. D'autres musiciens, un autre groupe aussi. Je ne me trompe pas, parce qu'il y a eu un autre groupe que vous avez créé, qui n'a pas duré très longtemps. Jean-Louis Aubert, j'aimerais quand même que vous nous disiez la rencontre, parce que finalement, vous êtes tous les deux musiciens. Lui est dans un lycée, et vous dans un autre lycée. Et vous entendez d'abord parler de lui. Un de vos copains, vos amis, ouais. Vous parle de Jean-Louis Aubert. Ouais. Avant que Jean-Louis Aubert arrive dans votre lycée. Oui, on a un copain en commun qui me dit, tu sais, dans un autre lycée, le Pasteur, il y a un autre mec qui joue très bien comme toi. Il faudra que vous rencontriez un jour. Et comme on était tous les deux ses amis, il disait à Jean-Louis aussi, tu sais, à Carnot, il y a un mec qui joue bien aussi. Il faudra que vous rencontriez. Il se trouve que Jean-Louis débarque dans mon lycée, il se fait virer de son lycée en terminale. Donc on se croise. Et on a mis à peu près une demi-heure avant d'aller jouer de la guitare. Et ce premier jour, on s'est mis à jouer ensemble. Ça a duré genre 15 heures. On n'a pas arrêté de jouer pendant 15 heures. On ne s'est presque pas parlé. À partir de ce jour-là, on était comme des frangins. Presque on n'arrêtait plus de jouer. Presque une histoire d'amour. Vous dites souvent, je tombe amoureux. Vous tombez amoureux aussi de Jean-Louis Aubert et d'autres personnes. Je disais au début, votre vie est une histoire de rencontre. Jean-Louis Aubert, c'est une rencontre. Higelin, c'est une rencontre. Oui. Presque du hasard, hein. Il tombe sur votre chemin. Il n'y a pas de... Rien n'est forcé dans votre vie. J'ai le sentiment que ça se passe vraiment toujours un peu comme ça. Ouais, mais comme beaucoup de musiciens en herbe, comme quand j'avais 15, 16 ans, 17, 18 ans, on a très envie de rencontrer d'autres musiciens. Donc, on traîne beaucoup. Et j'avais une chance, c'est que pour mes 18 ans, mon père m'avait offert une 4L, une voiture. 4L fourgonnette dans laquelle je pouvais mettre une guitare et un ampli. J'avais même des haut-parleurs pour faire le bœuf dans la voiture, c'était magique. Des gros haut-parleurs, parce que c'était une fourgonnette, donc
J'avais un système de son fabuleux. La 4L est arrivée, vous n'aviez pas encore le permis. Vous avez eu le permis un tout petit peu après. Oui, c'est ça. Elle est arrivée pour mes 18 ans, mais j'ai raté deux fois le permis. Donc, elle est restée en stationnement devant la maison pendant 6 mois. Quoi. Et j'avais envie de l'avoir. Et quand je l'ai eue, j'en ai bien profité. Et c'est-à-dire que quand on est musicien à cet âge-là, on n'a qu'une envie, c'est rencontrer des tas de musiciens. Et grâce à cette voiture, à chaque fois qu'on me proposait un truc, oh, tu sais, il y a un bœuf là-bas, ou il y a une soirée là, on pourra peut-être jouer. Évidemment, j'en profitais. Et souvent, on m'appelait justement parce que j'avais une voiture. Donc, je pouvais trimballer les guitares, etc. Puis, il y avait des trucs en banlieue à je ne sais pas combien de kilomètres. En train, où il n'y avait pas de RER à l'époque, en train, c'était une galère. Donc, les gens m'appelaient à chaque fois pour aller faire le bœuf, emmener ma guitare, emmener leur guitare, etc. Et donc, j'étais privilégié. Donc, je ratais rien. Je rencontrais autant de gens que possible. Et c'est là que j'ai pu me... C'est grâce à ça que quand j'ai rencontré Jacques Higelin, il m'a dit, je voudrais jouer avec toi. Je dis, évidemment, avec plaisir. Une demi-heure après, j'avais été chercher ma guitare et mon ampli chez mes parents et je l'ai ramené tout de suite. Il vous a proposé ça parce que vous étiez là, grâce à Valérie Lagrange, qu'au moment où vous êtes là, le guitariste de Jacques Higelin jette la guitare, jette l'éponge, parce que Higelin est assez caractériel. C'est ça. On arrive à l'Olympia, il était en train de répéter pour un concert qu'il allait faire 3 jours après. Pas à l'Olympia, mais il jouait en première partie à l'Olympia. Et donc on me dit, il y a mon pote Jacques Higelin qui répète, si tu veux, on va aller voir jouer. Je dis, avec plaisir, évidemment, j'ai la bagnole, on profite. On est là, on s'assoit, et 5 minutes après, on les voit sur scène en train de s'engueuler, lui et son guitariste. Bon, et il s'en va, il passe devant nous, on était sur les sièges, il s'en va avec sa guitare. Et il y a un grand blanc sur la scène, donc elle me dit, je vais en profiter pour te présenter à ce Jacques Higelin. Donc, je dis bonjour, et elle dit bonjour, surtout parce qu'elle les connaît bien, c'est de la famille, quoi. Et je fonce vers le guitariste, l'autre guitariste, et je lui dis tout de suite, t'as une vraie Les Paul, une Gibson, c'est une super guitare. Il dit, ouais, t'es guitariste. Je lui dis, ouais, tu veux l'essayer? Avec plaisir. Et je l'essaye, et évidemment, je balance tout ce que je sais faire en 2 minutes, et, au cas où. Et Higelin vient me voir, 1 minute après, il me dit, tu veux pas jouer avec nous? Et je dis, bien sûr, avec plaisir. Donc, je vais chercher ma guitare et mon ampli chez mes parents. Et je suis engagé comme guitariste et je joue à l'Olympia 3 jours après. Et ça s'est fait facilement, sans souci. J'ai travaillé un peu les morceaux. Et rapidement, je suis devenu... je disais à mes parents, je suis le chef d'orchestre d'Higelin, mais ça n'existait pas, les chefs d'orchestre à ce moment-là. Mais j'étais content parce que j'étais le plus jeune de sa bande. Et il comptait beaucoup sur moi. Et en plus, il m'invitait à habiter chez lui parce que j'en avais marre d'habiter chez mes parents. Donc, on était royaux. Il était avec sa femme et son tout petit enfant. Et plus moi. C'était magique. Et il a rassuré votre père. Un jour, il vient chez vous. Vos parents sont très heureux, très intimidés. Il les rassure à ce moment-là. Ça change tout. Votre père et votre mère sont rassurés de votre avenir grâce à Jacques Higelin. Bien sûr, ils étaient toujours très inquiets parce que je n'avais pas choisi du tout la voie qui était prête pour moi, c'est-à-dire des études de médecine, etc. Je faisais encore des vagues études, mais pas très assidûment. Et je jouais tellement de guitare tous les jours que, bon. Et un jour, en plus de ça, mon père, il n'ose pas trop me déranger dans la chambre, mais il entend que ça fait trop de bruit. Il ouvre la porte et il sent une odeur. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? T'as fumé? Je dis, ouais. Il me chope avec un gros pétard à la bouche. Et là, ça a été le désastre. Il a même pleuré dans les bras de ma mère en disant, on pensait avoir un prix Nobel de science. En fait, on a fait un clochard. Et ils étaient vraiment très angoissés. Et puis, ça a été une période très difficile. Et quand j'ai trouvé ce job avec Higelin me dit, mais ça se passe bien chez tes parents? Parce que tout de suite, je lui ai dit, moi, je vous préfère, tu m'invites chez toi, j'en ai marre de vivre chez mes parents. Ils sont angoissés, je me fais engueuler à chaque fois. Et il me dit, mais si tu veux que j'aille leur parler? Je dis, ouais, avec plaisir.
Et je leur dis, je joue avec Jacques Higelin, vous voulez pas l'inviter à dîner un soir? Et ma mère me dit, mais je connais Jacques Higelin, j'ai vu dans un film, j'adore ce mec. Je dis, ben voilà, vous faites un bon dîner et je l'invite. Et ils ont préparé la table, une super nappe, etc. Parce que c'était quand même... Nous, on était des expatriés d'Algérie. Déjà, être en France, c'était super. On n'en demandait pas plus, quoi. Mais alors, quelqu'un de connu qui débarque à la maison, c'était un peu un rêve, quoi. Donc, ma mère a bien préparé à bouffer, etc. Et Higelin a commencé un speech au milieu du repas. Il leur a expliqué, votre fils est né pour ça. C'est pas un médecin, c'est un putain de musicien. Ne vous inquiétez jamais, il va réussir. Parce que j'en étais pas sûr du tout, même à l'époque. Mais il a commencé à les persuader que j'étais vraiment fait pour ça et qu'il fallait qu'ils arrêtent de s'inquiéter. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ils ont toujours été inquiets pour ma santé, mais moins pour mon métier, quoi. On va revenir sur Higelin et sur ce qu'il vous a fait découvrir et sur la déception aussi, parce que vous avez été très déçu d'Higelin à un moment de votre vie, mais c'est lui qui vous a donné aussi, sans faire exprès, mais le goût d'être en première ligne sur scène. Mais je voudrais quand même qu'on ouvre une page, celle de la drogue. Vous venez d'en parler là en disant que votre père vous avait découvert fumant du shit dans la chambre. Dans ce livre, vous racontez, mais de façon extrêmement pudique et sans filtre, sans comment dire, de façon extrêmement simple, la drogue, l'alcool, commence à traverser là aussi toute votre vie et pas la vôtre seulement. Est-ce que ça, c'était quelque chose que vous vouliez mettre sans mensonge, parce qu'elle est, très présente. Elle a été très présente. Ça, vous vouliez le mettre et pour quelle raison? Simplement parce que j'ai raconté ma vie et je ne vois pas pourquoi j'aurais occulté ce passage de ma vie qui était quand même important. Je ne pouvais pas ne pas parler du fait que pendant des années et des années, j'allais acheter de la drogue de temps en temps et que j'étais accro. Et que j'arrivais pas à m'empêcher. J'étais pas un gros junkie, ce que vous pouvez appeler, parce que j'étais toujours homéopathique quand certains copains se shootaient. Moi, j'avais peur de ça. Je touchais pas ça. Mais quand ils se faisaient des grandes lignes qui sniffaient comme ça sur la table, moi, je me faisais un tout petit truc juste pour goûter. Et ensuite, c'était juste parce que ça me manquait quand j'en avais pas. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que ça me manquait quand j'en avais pas, j'ai essayé d'arrêter. Ça m'a pris 10 ans. comme quoi, c'est un peu traître, c'est un peu dangereux comme truc. Mais ça a fait partie de ma vie. Même au début de Téléphone, j'étais dedans. Heureusement qu'il y a eu Téléphone parce que ça m'a aidé à arrêter tout ça. On va pas rester longtemps sur Téléphone et je vous laisserai découvrir beaucoup de choses qui se disent sur le groupe parce que je voudrais qu'on ouvre, comme je le disais, quelques portes et je laisserai les lecteurs découvrir d'autres choses. Mais tout de même, sur Téléphone, vous les remerciez à la fin du livre et on sent... J'ai ressenti, alors c'est peut-être ma lecture aussi, et puis après vous avoir lu, en sachant qu'il y a eu effectivement des hauts et des bas, qu'il y a eu des moments peut-être où vous vous êtes moins vus, mais vous les remerciez tous à la fin, et on sent bien qu'il y a quelque chose, un attachement, un lien, un fil qui a forcément absolument changé toute votre vie. Bien sûr, forcément, même si de temps en temps ça n'allait pas bien ou qu'on pouvait s'engueuler, avec le recul, c'est quand même ces quatre personnes qui ont fait une histoire qui était tout à fait hors du commun et qui ont réalisé un rêve. Je pense que Corinne, son rêve, c'était pas de faire un groupe de rock, mais elle s'est retrouvée là-dedans. Elle rêvait d'avoir une vie avec vous tranquille, en fait. Elle voulait créer une famille. Ouais, il y a ça. De toute façon, elle voulait créer une famille et ça tombait bien. En plus, les autres étaient ses amis aussi, c'était ses potes. C'était une bande de quatre potes, en gros. Et on a fait une histoire géniale. Je veux dire, même si pour elle, ce n'était pas son rêve, ça aurait pu être un groupe de danse ou un groupe de quelque chose, elle voulait un groupe.
Moi, je voulais juste un groupe de rock, Richard et Jean-Louis aussi. Et on a réalisé notre rêve à ce moment-là. Et on vit toujours un peu là-dessus, même si, bon, on ne s'est pas contenté de ça, on a fait d'autres trucs après. Mais forcément, il reste quelque chose de très fort entre nous, parce que c'est l'air de rien, pour moi et pour tous les autres, c'est un peu la chose la plus importante qu'on ait fait dans notre vie. On a forcément un lien très, très, très serré. C'est vrai qu'à ce moment-là, bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, je les aime toujours, mais je ne me tuerai pas pour eux. Et eux non plus pour moi, je crois. Mais à l'époque, je pense qu'on aurait chacun été foutu de donner sa vie pour quelqu'un d'autre, un autre du groupe qui était en danger. C'était vraiment un truc très soudé. Et ce n'est pas pour rien que ça a cartonné comme ça. On avait vraiment beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Vous me permettez de vous lire encore un peu, juste quelques lignes. Téléphone, c'était juste quatre personnes ordinaires qu'une étrange alchimie a rendues extraordinaires lorsqu'ils se sont réunis pour jouer une musique qui leur ressemblait, qui les rendait heureux et qui rendait d'autres humains heureux. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qui me saute aux yeux plus que jamais pendant que j'écris ces lignes. C'est la fin du livre, mais je ne le déflore pas complètement. Mes rêves se sont réalisés grâce à vous, parce que vous passez du « eux » au « vous ouais. » et vous leur dites en partie grâce à vous, Corinne, Jean-Louis, Richard et François. Ouais, je savais qu'ils liraient. Ils l'ont lu. Oui, ils l'ont lu. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Corinne, je n'ai pas de rapport avec elle, donc je ne sais pas. Je l'ai envoyé. Elle a décidé de s'éloigner de tout ça, s'éloigner du Star System, donc de nous aussi, en passant. Et Jean-Louis m'a dit, super, tu as fait des erreurs de temps en temps. Je lui ai dit, je sais, on me l'a dit. Richard me dit, oh, mais tu as fait une grosse erreur, il faut réparer ça. Tu as dit que Jean-Louis prenait tant des droits d'auteur, c'est pas vrai, il a été plus généreux que ça. J'ai dit, oh merde, je ne savais pas, et je vais rectifier. Donc j'ai rectifié pour la nouvelle impression. Ça a été mais un gros... Mais Jean-Louis ne m'en a pas parlé, ça, ouais. Ça a pas, c'est Richard qui était c'est un grand outré. Sujet, ça, l'histoire des droits d'auteur et de la division des choses. C'était un grand sujet chez Corinne, surtout. Oui, Corinne faisait très attention à ces choses-là. Ouais. Moi, quand elle m'a dit, tu sais, c'est bizarre qu'ils prennent tous les droits d'auteur, Jean-Louis, ouais, je trouve ça bizarre, effectivement. Donc, on a été voir Jean-Louis, il dit, attends, tu déconnes, c'est pas possible, ça. Ah bon, vous êtes sûr? Mais ouais, tu déconnes, il n'y a pas que toi qui bosses, on n'arrête pas de bosser sur tes morceaux. Ah ouais, bon, ben d'accord. Et donc, il a été beaucoup plus généreux qu'il comptait l'être au départ. Et après, on s'est mis à composer à plusieurs, donc il y avait plus de problèmes. Mais sur ce premier album, il a partagé d'une certaine manière... qui était encore meilleure que celle que j'avais compris qu'il faisait. C'est-à-dire qu'en qu'on partage la musique tous les quatre ensemble, c'était normal, il l'a fait. Mais en plus, les morceaux dont il écrivait entièrement le texte, il gardait 40% et il donnait 20% aux trois autres. Et ça, c'est très généreux. J'avais pas fait gaffe. Donc après, je l'ai renoté. Je reviens sur Higelin. Higelin vous a déçu à un moment donné de votre vie par ses colères, par son comportement, mais il vous a donné le virus d'être en première ligne parce que des moments où il quittait la scène parce qu'il n'était pas content, et ben vous vous êtes retrouvé à jouer là devant en première ligne et ça a changé des choses dans votre façon. Oui, parce que vraiment les deux grandes aventures que j'ai eues. C'était avec Jacques Higelin et avec Téléphone. Donc, Téléphone, d'office, c'était Jean-Louis qui était le chanteur, donc lui en première ligne. Mais moi, ça me convenait très bien d'être dans l'ombre, le genre de chef d'orchestre un peu caché comme ça. Ça correspondait bien à mon caractère de timide, etc. Mais bon, quand Téléphone s'est arrêté, j'aurais bien postulé avec les Rolling Stones ou Led Zepp, mais... il n'y avait pas de place. Donc, je me suis forcément retrouvé à chanter et à être en première ligne. Par la force des choses, je n'ai pas trouvé d'autres mecs comme chanteurs à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, bon, bah, OK, ça va être toi. Et ça a été moi. Et les premiers temps, effectivement, ça a été difficile parce que les seuls, à part évidemment Mick Jagger, Michael Jackson, Prince, des gens qui avaient...
qui avaient ça dans le sang. Moi, je me retrouvais un peu... Je ne savais pas danser comme eux. J'étais un peu comme un cheveu sur la soupe en première ligne, quoi. Et je me suis beaucoup posé la question pendant quelques mois, mais comment faut-il être ? Parce que je ne suis pas Higelin, je ne vais pas commencer à déblatérer pendant des heures des poèmes, des improvisations shakespeariennes, etc. Je ne suis pas Jean-Louis non plus, je ne vais pas me rouler par terre, je ne vais pas dire aux gens ah, « je vous aime » tout ça, parce que ce n'est pas mon genre, quoi. Donc, comment faut-il être ? Je me demandais tous les soirs. Et j'ai commencé à bien réfléchir. Un jour, je me suis dit, mais arrête, tu sais comment il faut être. Il faut être toi. Alors, mais comment je suis alors ? Eh bien, je vois qu'une solution. Alors, je me parlais à moi-même, évidemment. Et je me disais, écoute, t'as qu'à faire comme si c'était que des copains à toi dans la salle. Et tu parles à tes potes. Et c'est tout. Et si t'as envie de raconter la blague la blague du cochon, tu racontes la blague du cochon entre deux morceaux parce que t'es comme ça, parce que t'aimes bien faire marrer les gens. Et si t'as envie de parler ou de... Et tu vas commencer par, quand tu montes sur scène, leur dire que t'es timide et t'es très gêné d'être là. Ah, c'est intéressant. Et donc j'ai commencé par cette voie et effectivement, les premiers temps, je montais sur scène, je me dis, putain, quelle galère d'être devant vous, je suis pas bien, je me sens pas bien. Et justement, les gens me poussaient à me sentir bien. Et finalement, ça s'est très bien passé et j'ai réussi à comprendre qui j'étais, comment fallait que je sois. Il fallait que je sois moi et voilà. Et ça a plutôt bien marché, les visiteurs et puis Louis Bertignac tout seul. Il y a aussi l'aventure en tant que producteur, arrangeur. Vous avez permis à Carla Bruni de vendre plus de 2 millions d'albums. Oui, c'est elle qui m'a permis d'être producteur. Inversement. Belle rencontre aussi, hein, ouais. Celle avec Carla, qui est d'abord une jeune fille de 20 ans que vous croisez dans la rue. Elle est avec une amie, elle est fascinée par vous. Il y a une histoire d'amour qui démarre entre vous deux. Ouais. Et vous vous retrouverez quelques années plus tard. D'ailleurs, c'est aussi Carla Bruni qui vous permettra de remonter la pente après la séparation avec votre compagne. Avec la mère de mes filles, ouais. Finalement, elle a été à plein de moments importants de votre vie. On s'est retrouvés par étapes. Et y a quelque chose qui reste entre nous, bien que là, il y a des trucs qu'elle n'a pas aimé. Donc, on est un peu en froid en ce moment. Mais ce n'est pas la première fois qu'on est en froid. Donc, on sait que ça finit toujours par s'arranger. Enfin, j'espère que ça s'arrangera cette fois-ci. Mais c'est vrai que si elle a besoin, je serai là pour l'aider. Et si j'ai besoin, je crois qu'elle sera là pour m'aider. Oui, ça, c'est l'histoire de votre vie. J'ai l'impression que vous êtes quand même bien entouré de gens qui vous aiment et qui vous... Vous disiez... Ah, c'est normal, je suis un mec bien. Vous disiez sur scène, je suis timide. Quand vous êtes dans une salle comme celle-ci, avec plus de 300 personnes, et que vous parlez, de votre vie, de votre livre, est-ce que vous êtes intimidé ou ça va ? Il n'y a que des amis, là. Mais c'est mes potes, vous voyez, c'est mes potes. Bon. Oui. Non, mais c'est pas parce que vous m'applaudissez que vous êtes mes potes, mais je vois dans vos yeux que vous êtes mes potes. Louis Bertignac. Enfin, pas toi. Il y a des longues pages. Alors, ce livre est bien pour tout le monde. Il est bien aussi pour les musiciens. Il y a des longues pages comme ça sur la technique, sur les guitares, sur la musique. Vous prévenez le lecteur, si tu n'aimes pas la guitare ou la technique, saute et va directement à telle page. Voilà. C'est très drôle. Et je trouve très, très joliment fait. C'est aussi un livre qui, comme je le disais tout à l'heure, peut parler à des musiciens qui ont envie de l'aide. C'est générationnel. Hein. Vous êtes de ceux qui a eu 20 ans en 75, donc ça parle aussi beaucoup. Vous traversez toutes ces époques, rock, musique, etc. Ça rappelle des souvenirs, ça remonte aussi, j'imagine, des souvenirs chez tous ceux qui vous ont accompagnés et qui ont aussi eu 20 ans en 75. Mais c'est plus que ça, parce que téléphone... Bertignac, Les Insus, The Voice, etc. Vous avez traversé les générations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aussi des jeunes qui vous connaissent et qui vous écoutent. Ouais. Ça, c'est fort parce que tous les artistes n'y arrivent pas. Non, mais à ce niveau-là, je remercie la vie qui m'a quand même, The Voice, quand même, ça tombe un peu à ce moment-là, comme un cheveu sur la soupe. Jamais je vais me dire, tiens, je vais participer à une émission sur TF1 qui va
tous les soirs faire 10 millions de personnes, tous les samedis. Mais on me le propose, et je trouve ça tellement bizarre que je leur dis tout de suite, non, non, c'est pas mon genre, c'est pas, je suis pas fait pour ce genre de truc. Ils me disent, mais non, mais attends, viens chez toi, tu nous payes un café. Alors, je leur dis, ok, ramenez-vous. Ils viennent dans ma banlieue, ils arrivent et ils commencent à me dire, mais tu verras, il y aura plein de chanteurs géniaux, tu peux pas imaginer. Il y aura une belle prod. Et je leur dis, ouais, moi, mais... Et en plus, ils me disent, mais ça va être super bien payé. J'avais besoin de fric. Mais ça me convainc quand même pas. Et en fait, avant de partir, ils me disent, voilà le DVD de l'émission américaine. Nous, on va faire à peu près la même chose. Et avant de m'endormir, je me dis, bon, je vais quand même y jeter un œil. Et là, je vois quatre personnes assises dans les fauteuils qui ont l'air de se marrer, de vraiment s'éclater. Il y a une super prod, des beaux décors. Et ils ont l'air vraiment super simples et c'est des bons musiciens. Ils ont l'air de s'éclater ensemble. Et il y a énormément de bons chanteurs qui participent à leur truc. Et je me dis, bon, si je me retrouve là-dedans, c'est peut-être pas mal finalement. Et donc, je leur dis OK. Et ils me disent, super, la semaine prochaine, tu te retrouves. C'est la veille du premier jour de tournage. Tu vas rencontrer les autres coachs avec qui tu vas le faire. Et là, ils louent une chambre d'hôtel dans un grand hôtel à Paris, une suite, et je rencontre Florent Pagny, Jennifer et Garou, que je ne connaissais pas du tout. J'avais entendu parler, mais je ne les connaissais pas. Je ne savais même pas ce qu'ils chantaient. Et eux, bon, copains. Il y avait un piano, je commence à faire le bœuf avec Garou, très sympa. Et le lendemain, je me retrouve sur les sièges, sur un des quatre sièges, et aussi. Et on nous dit, votre boulot, c'est d'animer l'émission. Ah bon? Alors, n'hésitez, vous allez voir des chanteurs. N'hésitez pas à leur parler, à montrer que vous êtes là, etc. Il faut en choisir un, etc. Bon. Et donc, on se retrouve, c'était 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Et c'est parti pour 5 heures de tournage, avec les fauteuils qui se tournent, etc. Et en plus, il nous avait bien expliqué que même si on ne prend pas le chanteur dans notre équipe, il faut lui expliquer pourquoi on ne prend pas, mais que quand même, il faut être bienveillant, qu'il ne faut pas les insulter, il faut leur laisser de l'espoir, etc. Et donc, on se retrouve dans cette position, tous les quatre, et on était, c'était tout à fait nouveau pour nous, à part ce que je vous ai dit, il ne nous avait rien dit de plus, et on improvise, et ça nous lie ensemble, tous les quatre, de se retrouver un peu dans cette situation inattendue, tous les quatre, et on a continué toute l'année, et ça s'est super bien passé, et ça avait un succès énorme. Et donc voilà, je me suis retrouvé sur TF1 tous les samedis, pendant 4 heures facilement, bien habillé, avec une habilleuse. Et tout ça, ça faisait extrêmement plaisir à ma maman, qui était encore en vie. Elle pouvait enfin voir son fiston à la télé tous les samedis. Elle était fière, elle attendait que ce moment. Et son fiston bien habillé, qui parle correctement, etc. Et ça a été un moment très agréable. L'heure tourne, je pourrais passer des heures à vous poser des questions. Oui, j'ai essayé d'écourter. On est ravis. Je vais vous donner dans quelques temps la parole pour permettre à quelques-uns d'entre vous de poser peut-être une ou deux questions. J'en profite aussi parce que j'ai oublié de les présenter, mais Ludivine et Nicolas, c'est eux qui, depuis le début de la rencontre, permettent de faire l'interprétariat en langue des signes. Et ça, on y tenait aussi, parce que finalement, c'est plein de langues qu'on parle, celle de la musique, celle des mots, celle des souvenirs. J'ai encore 2-3 questions avant de donner la parole. Alors, bien sûr, vous voyez bien que j'effleure le livre et que je ne rentre pas totalement dedans parce que ce n'est pas le but et qu'on va laisser tout le monde découvrir. Qu'est-ce qu'il vous reste, même si vous étiez très jeune et que vous aviez 3 ans, qu'est-ce qui vous reste de ces origines algériennes, de cette immigration d'un pays que vous avez quitté? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez de temps en temps? Est-ce que c'est en vous ou pas du tout? Non, c'est pas vraiment en moi, parce que j'ai aucun souvenir de l'Algérie. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est les souvenirs de mes parents.
et des tontons, des tatas qui parlaient de leur vie en Algérie, qui regrettaient les vacances à tel endroit, au Constantine, je ne sais pas, des endroits que je n'ai jamais vus de ma vie. Et donc, je n'ai pas vraiment de souvenirs. Tous les souvenirs, c'est les souvenirs des oncles, des tantes, et de mes parents et des grands-parents. Et donc, je ne connais pas. Mais quand même, j'ai vécu un peu dans l'ombre de ce truc, un peu de parents un peu déracinés. Ça se sentait quand même qu'ils avaient vraiment envie d'être intégrés en France, et ils avaient envie de s'intégrer vraiment à fond. C'était une nouvelle vie qui s'ouvrait devant eux, mais qu'ils avaient du mal parce que c'était pas facile. Et donc j'ai senti un peu ce genre de déchirement, mais quand même déchirement, mais c'était obligé. Ils n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient pas rester. Donc c'était pas un choix. C'était de toute façon, ils ont eu de la chance d'être accueillis en France, de faire leur vie en France et de réussir leur vie quand même. Ils ont pas. Mon père, c'est un bosseur. Ça a toujours été un bosseur. Il s'est débrouillé, il a toujours trouvé des boulots, il a toujours réussi à nourrir sa famille, il a toujours eu une bagnole, il n'a jamais eu vraiment de problème parce que c'était un bon bosseur et qu'il n'était pas idiot, donc il trouvait à chaque fois des métiers qui lui permettaient de, voilà, de pas vivre dans le luxe, mais de vivre quoi, correctement. Vous écrivez que ce qui vous a rendu le plus fier dans l'aventure de Téléphone, c'est que votre père ait été fier de vous, ouais. La fierté du papa. Ce que vous aimez, le mot que vous préférez le plus, c'est le mot « jouer ». Vous dites « mes deux passions dans la vie étaient le foot et la musique, et dans les deux cas, on employait le verbe « jouer ». Les Stones jouaient sur scène, comme les footballeurs du PSG, parce que c'est ceux que vous suivez, jouaient dans les stades, comme jouent les comédiens que j'admire. Jouer est le plus beau mot de la langue française. Passer sa vie à jouer, c'est faire un doigt d'honneur à la mort. Alors, au niveau de la mort, je ne peux pas garantir. Mais de toute façon, passer sa vie à jouer, c'était mon rêve quand j'étais gosse. Et c'est vraiment le moyen de ne pas travailler, quoi, de réussir à jouer tout le temps. C'est le rêve de mon fils, hein, qui a 5 ans. Là. D'ailleurs, il y a une genre de dissertation avant d'entrer au CP. C'est-à-dire, il y a 3 mois, le prof leur dit quelle est la différence entre les enfants et les gens plus âgés, entre un enfant et un adulte. Et lui, il répond, ben, les enfants, ils jouent, et les adultes, ils ne jouent pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu as répondu là? C'est pas vrai, regarde-moi, je passe mon temps à jouer. Il dit, ah ouais, c'est vrai. Les deux passions, le foot et la musique, viennent encore une fois de l'enfance et viennent mais tous aussi les jeux, du père, tous les sports quoi. Aussi, j'adore les sports. Mes souvenirs de foot sont comme des doudous, écrivez-vous, auxquels je pense parfois quand j'ai du mal à m'endormir. Mon père m'a donné le virus et il m'a emmené au parc voir jouer le Stade Français et le Racing. Ouais. Mon souvenir le plus fort au parc date de 1978, un match a priori sans grand intérêt, PSG-Nancy. Ah ouais. Ah ouais. C'était la première fois qu'il y avait Fernandez, non, non. Ah, je ne sais pas, j'y connais rien, mais 78, je ne sais pas. Ah ouais. Et ben voilà. Ah ouais. Et PSG a gagné. Ah oui, et vous le dites, il s'appelait Luis Fernandez, il avait 19 ans, il dégageait une incroyable impression de volonté. Ah ouais. Ah on ouais. avait le sentiment que personne ne pouvait l'arrêter. C'était un tout jeune, il était remplaçant au PSG, et il rentre dans le truc, et tout de suite, je sens une différence avec les autres. C'est qu'il en voulait tellement, il ne lâchait pas le ballon, il était incroyable, il avait une volonté. Et bon, on est devenus potes depuis. Et malheureusement, quand on joue au ping-pong ensemble, il a toujours cette putain de volonté et je n'arrive pas à le battre. Pourtant, je joue mieux que lui, mais il a ce truc. Il a ce truc qui fait que, bon, il me bat. Bon, peut-être qu'un jour, vous irez voir jouer Nancy. Mais je vais le battre. Voilà. vous citez Jacques Chancel. Vous dites, quand j'étais petit, j'écoutais à la radio un homme nommé Jacques Chancel. Alors, ceux qui aiment la radio connaissent forcément Jacques Chancel. C'était Radioscopie pendant des années, une émission qui a accompagné beaucoup de monde. Il a reçu beaucoup, beaucoup d'artistes et notamment beaucoup d'écrivains. Il interviewait pendant 1 heure une personnalité. J'imaginais que, devenu une rockstar, il m'invitait dans son émission. En allant à l'école, j'inventais ces questions, je répondais et les gens me voyaient parler tout seul dans la rue. Je ne parle pas tout seul, je réponds à Jacques Chancel. Il terminait son interview par la traditionnelle question « Et Dieu dans tout ça ?»
S'il me l'avait posé, j'aurais répondu par la chanson de John Lennon. Ouais, God is a concept. Mm. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Ça, je. Honnêtement, j'aime bien l'histoire de Dieu, et sincèrement, j'y crois pas. Enfin, ouais. Je veux bien qu'il y ait un truc supérieur, mais alors que qu'il y ait des forces supérieures dans l'univers, c'est possible. Mais je crois pas que c'est un truc qui a une grande barbe ou que enfin, c'est mon avis perso. Hein. Je crois que ça n'existe pas, que ça c'est une invention des humains. Et croire que qui nous entend quand on prie ou qui nous dit et qu'on va aller au paradis parce qu'on a été sage et tout ça, ça j'y crois pas. Mais je crois que certainement à bien agir, ça nous aide à avoir une belle vie. Qu'être un salaud, ça nous aide à avoir une vie de merde. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Bon, chacun peut avoir son avis là-dessus. Je sais que ma femme, elle croit en Dieu, et pour faire le con, de temps en temps, j'insulte. Elle ne fait pas ça, putain. Mécréant. Oui, je suis un vrai mécréant. Je vais vous donner la parole. Il y a une anecdote. Alors moi, je ne connais pas tout. Donc en 98, vous faites un album, un CD grâce à la PlayStation que vous avez eue parce que on vous a offert une PlayStation pour arrêter la drogue. Vous jouez beaucoup. Et je ne dis pas ce qu'il y a de caché derrière ces idées-là, mais j'invite tout le monde à aller lire à la page puisque voilà, y en a qui savent ce que c'est. À vous, si vous avez une ou deux questions. Je vois que l'heure tourne malheureusement très vite. Il y a un micro normalement. Madame, mademoiselle. Bonjour. Moi, je vous entends bien, parce que vous êtes au premier rang, c'est bien. Je ne sais pas ce que ça va donner avec le micro. Voilà, c'est bon. Donc, Jolie Petite Histoire est un livre autobiographique, mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire? Pourquoi maintenant? Eh bien, justement, ça faisait des années qu'on me le disait. Pourquoi tu ne nous fais pas un truc? Des éditeurs me contactaient. Et je leur disais, écoutez, ce n'est pas le moment. Une autobiographie, ça se fait sur son lit de mort, quand on n'a plus rien à vivre, quoi. Sinon, je vais pas raconter peut-être la meilleure histoire. Enfin, j'en doute quand même. Mais je vais éluder forcément une part de ma vie. Et donc, il me dit, ouais, je comprends. Et puis, et Guy Carlier, qui est un copain de copain, qui débarque à la maison, il commence à me dire, mais pourquoi tu n'écris pas une bio? Et je lui dis, je lui explique ce truc. Il me dit, oui, mais tu sais jamais, mon pote. La vie, tu sais, ça peut s'arrêter d'un jour à l'autre, sans prévenir. Et tu ne vas pas écrire ce truc. Et tes enfants ne vont pas savoir de quoi est faite ta vie. Et c'est dommage. Il dit, ouais, peut-être t'as raison. Mais franchement, si je réunis mes souvenirs, j'ai de quoi écrire 10 pages et pas plus. Il dit, oh, ça m'étonnerait. Et il me dit, voilà, on tente le coup, si tu veux. Je vais t'interviewer pendant 2 heures, là. Tu vas me raconter ton enfance, juste ton enfance, bien avant téléphone. D'accord. Et donc, il me pose des questions. Et je lui réponds, naturellement, les trucs auxquels je pensais. Des souvenirs qui me revenaient. Et il m'a dit, OK, bon, bientôt, je t'envoie le texte. Et donc, 3 semaines plus tard, j'étais impatient de recevoir le truc. Et je le reçois par mail. Et ça faisait 60 pages. Et là, je me dis, putain, s'il y a 60 pages juste avant téléphone, finalement, ça va être intéressant. Et puis, je ne sais pas, il avait bien réécrit l'histoire de... Comme j'avais raté la mort de mon père, j'étais en Chine en train de jouer à ce moment-là. Et je lui avais raconté presque les larmes aux yeux. Et quand j'ai relu ça, je me suis mis à pleurer. Donc je me suis dit, putain, ça risque d'être touchant en plus, ce bouquin. Et je lui ai dit, banco, on fonce. Donc on a continué à travailler comme ça. Il venait m'interviewer, mais bon, au bout d'un moment, il a chopé le Covid, donc il ne venait plus. Il était fatigué, donc on se téléphonait. Ensuite, je lui écrivais des mails avec des histoires dont je me souvenais.
Et vers la fin, j'ai fini le truc parce que il y avait plus le temps, parce que le cherche-midi, ils m'ont dit, tu sais, ça sort en avril. On était en février. Moi, je pensais que j'en avais encore pour un an ou deux. Mais avril, vous êtes sûr? Ah, si. Mais non, faut reporter. Ah ouais, mais non, les mises en place dans les librairies sont déjà réservées, etc. Mais vous êtes complètement fou. Non, tu verras, ça se passera bien. Je dis, mais je pourrais pas tout raconter. Et là, ils me disent, ouais, mais ça, tu feras un tome 2, c'est pas grave. Et bah, si ça se trouve, j'en ferai un. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes plans. Mais donc, à la fin, j'étais obligé de speeder et de... J'écrivais mes histoires, et il n'y avait pas le temps de l'envoyer pour qu'il les corrige. Mais j'avais à peu près compris comment il écrivait et comment il voulait que j'écrive. Donc j'ai pu finir tout seul dans mon coin. Le temps qu'il m'envoie des histoires que je l'avais envoyées 3 mois avant, il ne m'avait toujours pas renvoyé. Et dans l'ensemble, ça s'est super, super bien passé avec lui. Et c'est devenu un super pote. Hein. On s'écrit très souvent, on s'envoie des messages. Et j'ai été à son spectacle qui est extraordinaire. C'est vraiment génial, quoi. Je comprends que ce livre soit bien parce que, enfin, je dis ça comme ça, pas ça. Mais c'est un mec extraordinaire. Je savais pas. Mais il est touchant. S'il passe dans la région, allez le voir parce que vous allez pleurer de bonheur. Non, c'est un super spectacle, tout seul sur une scène. À moins qu'il y ait une question, mais toute courte, et une réponse toute courte. Mais sinon, ce que je vous propose, puisque vous êtes très nombreux et qu'il y a des... Ah ben alors, toute courte, et je vous... Bon, je parle trop, j'ai compris. Non, je vous écoute religieusement. Je vais écourter les réponses. Et ce sera la dernière question. C'est un tout petit peu hors sujet, mais grâce à toi, il y a 5-6 ans de ça, je vivais 2-3 jours avant Noël un moment merveilleux que tu organisais dans une ville thermale à pas très loin d'ici. Je voulais savoir si on pouvait avoir un espoir de revoir ça un jour. J'avoue que j'ai rien compris. À peu près. Alors j'ai peut-être une solution. Il faut parler un peu moins près du micro, mais il faut gueuler. La pop rock party. La pop rock party. Ah ouais, avec Richard et Kali, etc. Oui. C'était trop bien. Ouais, j'adore ce truc. Il y en aura d'autres. La dernière fois, c'était vers Lille. J'aimerais bien le refaire. Il y en aura. Il y en aura, je suis sûr. Parce que Richard, en gros, il a que ça, lui. Enfin, depuis, bon. Non, mais c'est vrai que quand il le fait, il veut le faire bien, donc il ne nous lâche pas, quoi. Il voudrait qu'on soit là avec lui 6 jours à répéter avant. Donc je lui dis non, je viendrai le dernier jour, mais. Ou alors on répétera l'après-midi du concert, mais il est extrêmement concerné par ça. Il est passionné par ce truc et je le comprends parce que j'ai des super souvenirs. La dernière fois, je suis devenu copain avec Calogero, qui est un mec adorable. Cali, j'en parle pas. Et c'est des bons musiciens, tous, les types qui jouent avec Richard. Donc c'est un bonheur. Tout ce que j'ai à faire, c'est de monter sur scène et jouer de la guitare, de chanter sur mes morceaux ou sur des trucs de téléphone où j'ai le choix. Je peux faire aussi du Prince, du Rolling Stones, du Beatles, donc j'adore ces moments-là. Ok. Ce livre est dédié à votre femme, à vos enfants et au futur, parce que c'est un livre aussi sur la page blanche et le futur qui s'ouvre. On traverse les périodes difficiles de votre vie, il y a 2000. Il me reste un peu de temps, et de toute façon, il reste énormément de temps à l'univers. Oui. Ouais. C'est-à-dire que quand on regarde à notre échelle, la vie est courte et si ça se trouve, l'avenir n'est pas forcément joyeux pour nos enfants. J'espère que si, mais ce n'est pas gagné. Mais en tout cas, pour l'univers, tout va très bien. C'est ça, il faut se rassurer avec ça. C'est qu'au niveau des planètes, des systèmes solaires et tout ça, ce n'est pas près de s'arrêter et c'est radieux, c'est merveilleux. Donc, il ne faut pas trop flipper sur ce qui nous attend. Ça s'appelle « Jolie petite histoire », Louis Bertignac, c'est aux éditions Le Cherche Midi. Il y a des livres qui sont là grâce aux libraires de Nancy, l'association Lire à Nancy. Et grâce à vous, on ouvre officiellement le livre sur la place, 44e édition. Merci infiniment d'être venu ici. Je suis très honoré d'ouvrir ce livre.